Vive le championnat scolaire, on va mouiller le mic. Le grand jour est arrivé, l'éternel est mon berger, plus que jamais déterminé. Je me bats avec fierté, mon esprit est animé par la rage de tout gagner. N'est-ce pas que tu es là, quelque chose va se passer. Je suis pour les charpenter ce ventre de la vie, pour les démarrages de cette édition. Je souhaite vivement que cette étape balise la fin à cette belle position et la saison 2022-2023 connaisse plus de succès. C'est un événement qui fait rehausser vraiment la préfecture. Car bon, avec ça, tout le monde, on est en joie. Premièrement, on est en joie. Et ça rapporte à la préfecture quelque chose de plus. Oh, je me sens joyeux, heureux et fier qu'on a choisi Bafilo pour le championnat scolaire. Le sport participe à mon épanouissement et à mon bien-être. Je suis très émue d'être là aujourd'hui, dans cette belle ville. Ici, que notre insuffisance, notre engagement à faire des championnats scolaires et universitaires, non seulement des rencontres festives, mais de puissants cadres de socialisation, de transformation et de formation des jeunes aux vertus de la gagne, de l'endurance, du civisme et de la citoyenneté. C'est un sentiment de joie qui m'anime encore ce soir pour ce que j'ai pu voir ici au terrain de Bafilo. On pensait également à cette édition, mais notre espérance vient d'être débordée. Parce que j'avoue que ce que j'attendais, j'ai vu plus que ça ici à Bafilo ce soir. Je remercie le ministère des Sports, Madame Didi Vessi, pour son soutien pour le sport. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui ont apprécié le match. Il y avait notre équipe qui a gagné et c'est très contente pour notre école. Je déclare officiellement ouvert les championnats scolaires et universitaires édition 2022-2023.